पारे नेपाली मा भन्नु पर्छ ट्रान्सलेट गर्नु पर्छ पिता आले donc on va traduire quand même pour les parents Donc on va faire nos annonces rapidement. Salut ton voisin, salut quelqu'un. Et dis-lui bienvenue dans la maison du Seigneur. Alléluia. Saluez-vous d'un saint baiser, amen. Un salut sincère. Amen. Alléluia. Bienvenue dans la maison du Seigneur. Bienvenue à tous et à toutes dans la maison du Seigneur. Aujourd'hui, c'est l'avant-dernier dimanche du mois de décembre. Après ce dimanche, il nous reste un seul dimanche. Et puis 2018 est fini. On traverse une nouvelle ligne. Qui veut traverser cette ligne? Ah, tout le monde veut mourir en 2018. On va prier pour que vous mouriez vite. Amen. Sœur Thérèse, tu ne veux pas traverser 2018. Vous ne voulez pas traverser 2018. Qui veut traverser 2018? Amen. Moi, je veux traverser 2018. Parce que je veux voir 2019. Parce que le Seigneur a des grandes choses pour moi en 2019. Et dis à ton voisin. Donne-nous. Le Seigneur. Permets-leur. A quelque chose de grand pour toi. En 2019. Est-ce que tu le crois? Amen. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de croyants ici. Nous sommes dans une église baptiste, amen. Là, on bouge la tête. Amen. Jésus. Amen. Notre Dieu est vivant, amen. Il est vivant. Ce n'est pas le Dieu des morts. C'est le Dieu de ceux-là qui sont vivants. C'est le Dieu d'Abraham. C'est le Dieu d'Isaac. C'est le Dieu de Jacob. Jacob est mort. Mais laisse-moi te dire, il a un Dieu, il est avec son Dieu. Amen. Et nous qui sommes vivants, nous devons vivre comme si nous avons Dieu. Comme si c'est encore faux. Mais nous devons vivre comme avec Dieu vivant. Amen. Dieu est bon. Dieu est bon. En tout temps, Dieu est bon. Même quand tu as faim, Dieu est bon. Dieu est bon parce qu'on est ici. Amen. Il y a d'autres personnes qui ne peuvent pas être là où nous sommes. Peut-être vous méprisez le lieu où nous sommes. Peut-être vous ne prenez pas en considération, ce n'est pas un bon endroit. Mais nous sommes dans la maison de Dieu. C'est dans le royaume de Dieu que nous sommes aujourd'hui. Amen. Qui est content d'être dans le royaume de Dieu? Mais je ne vois pas de sourire, si vous voulez. Amen. Est-ce que quelqu'un aime aller au travail? Le travail, c'est difficile. Mais là, vous êtes assis. Amen. Vous devez être content, vous êtes en vacances. C'est le repos, vous êtes en train de vous reposer. Il y a la musique. On chante. On sent la présence de Dieu. On peut devenir vulnérable. Vulnérable, faible.
on devient faible dans nos cœurs. Amen. On ne fait pas le cœur dur comme le caillou. Mais on a la possibilité d'être nous-mêmes. D'être moi. Amen. Donc, merci beaucoup. Didier, vous n'avez pas fait beaucoup d'efforts. Amen. Est-ce qu'on peut battre une place? Ce n'est pas facile de traduire. Amen. Mais elle fait de très gros efforts et on est très fiers. Amen. Merci beaucoup Didier Lupin. On ne devait pas manger un épalo aujourd'hui si tu n'étais pas là. Amen. Alléluia. Donc les annonces, jeudi, que quelqu'un dise jeudi. Biba. Biba. Études bibliques. Bible study. Amen. Il faut être là. On a été béni la dernière fois. Malheureusement, la bénédiction, ce n'était que pour 4 personnes. Il faut être là. Amen. On a appris de grandes choses. On a appris que si tu n'as pas la conviction, si tu n'as pas le sentiment que c'est vrai dans ton cœur, tu es en train de commettre un péché. Amen. Si tu n'as pas la conviction que cette Bible, c'est la parole de Dieu, tu es en train de commettre un péché. On a appris que cette parole, c'est la vie. Si tu lis la Bible, tu es plus riche que tous les hommes. Qui veut être riche? Tout le monde veut être riche. Mais tout le monde ne veut pas lire la Bible. On a appris que le secret c'était la Bible. La parole de Dieu dit, médite ce livre. Lis le livre. Jour et nuit. Garde-le dans ton cœur. Et tu réussiras. Dans tout ce que tu vas faire. Amen. La parole de Dieu nous dit que si tu médites, si tu lis la Bible tous les jours, tu vas réussir dans tout ce que tu vas faire. Amen. Donc quand tu réussis, tu prospères. Et puis tu es riche. Tu veux donner. C'est ça. Donc il faut lire la Bible. Alléluia. On a pris un challenge encore. Il faut être là pour les challenges. Les défis. Les challenges, c'est un défi. Oui, c'est un concours. Amen. Lorai. On a eu des lorai là-bas. Que celui qui se lève le matin, il lit un psaume et un proverbe. On a fait le test. On va voir si ça va réussir. Amen. C'est donner Dieu la première place. C'est difficile. Mais c'est facile d'aller au travail. Amen. Donc si tu arrives à aller ta Bible le matin, tu arrives à lire un psaume, un proverbe, tu seras le plus intelligent de tout le monde. Amen. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Donc, service du 30 décembre à la Nouvelle-Baptiste. Ce décembre-là, on ne traverse pas 2018 sans aller dans notre nouvelle maison. Amen.
Amen. Qui est excité de vouloir aller dans la nouvelle bâtisse? Si vous n'êtes pas excité, moi je suis excité pour vous. Amen. Alléluia. Une nouvelle église. Un nouveau sanctuaire. Le 30 décembre. Avant de rentrer dans le nouvel an. Le Seigneur nous fait grâce. De faire quelque chose de nouveau dans nos vies. Il est en train de renouveler les choses dans nos vies. Pour vous, c'est rien. Mais tu ne changes pas d'appartement pour aller dans un mauvais appartement, amen. Tu ne quittes pas une petite maison pour aller dans une plus petite maison. Mais tu quittes une maison pour aller dans une qui est meilleure. Amen. Tu ne quittes pas un travail pour aller dans un travail qui ne te paye pas. Sinon tu es perdant. Mais nous sommes gagnants. Dieu va faire de grandes choses. Je vous le dis. Il va faire. Si vous ne croyez pas, attachez vos sentiments et vous allez voir ce qu'il va faire. Alléluia. Amen. Donc, en cette nouvelle bâtisse, pour que quelqu'un dise prière. 9h30. Amen. Pile. Sharp. Amen. Parce qu'on va commencer le service maintenant le matin. Comme ça, ça va vous laisser le temps de faire autre chose. D'aller au service à Saint-Laurent aussi. Amen. Parce qu'on va être béni. On va avoir maintenant une double portion. Et on va prier les samedis. Donc, dis à ton voisin. Sati. Prière le samedi. Le service commence à 10h. Ça va être fort, je vous dis. Moi, je dois me lever. Si c'est 10h, je dois me lever à 6h du matin, moi. Si je suis ici avant vous, vous n'avez pas de raison d'être en retard. Amen. Donc, mettez dans vos calendriers 10h d'attente, 9h la prière, 9h30. Amen. On va prier. Donc, on va avoir notre fraternité le 30. Amen. Parce que demain à l'église, on met la peinture. On finit de mettre la peinture demain, mardi. Celui qui met le tapis, met le tapis. Quand il finit ça, mercredi, on achète les chaises, tout, on met tout. Amen. Parce qu'on veut, rentrer dans cette église. Amen. Dis à ton voisin. Dieu est en train de changer les choses. Amen. Dieu est en train de changer les choses. Donc il se peut que nous ayons beaucoup de monde cette fois-ci. Venez à l'heure. Amen. Et peut-être les gens de Montréal vont venir vous voir. On aime les nouvelles choses. On est pas là, on va venir les voir. Qu'est-ce qui se passe là? Amen. Donc, on veut représenter Saint-Jérôme. On va être là. Dis à ton voisin. Tu dors tôt. Amen. À
20 heures, tu dors. Jusqu'à 4 heures, tu dors. Samedi à 20 heures, tu vas dormir. Amen. Si tu ne dors pas, tu seras fatigué. Et quelqu'un dit service de veille de Noël. Donc, le service de veille de Noël, ça va être lundi à 19h30 à Saint-Laurent. Seven thirty p.m. Donc on veut que vous soyez là parce que c'est notre service de nouvel an de Noël et on veut être tous ensemble. On veut rendre gloire à Dieu pour ce moment. Amen. Donc on veut que vous soyez là avec nous. Donc c'est un peu ça pour les autres, pour les annonces. Donc on va donner nos dîmes et nos offrandes. Amen. Qui est content de donner pour le Seigneur? On est content de donner pour le Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Donc prions tous ensemble. Alléluia. Seigneur Jésus, Papa, nous venons te remercier, Seigneur. Nous te rendons des actions de grâce multiples, Papa, pour tout ce que tu as fait dans nos vies et pour ce que tu feras encore, Seigneur. Permets de recevoir encore ces offrandes que nous t'apportons avec un cœur sincère, éternel. Reçois-les pour l'avancement de ton œuvre ici à Saint-Jérôme et partout à travers le monde, Seigneur. Permets-nous de donner, Papa, avec un cœur joyeux, Papa, car tu aimes les donneurs joyeux, Seigneur. Nous prions que tu nous bénisses encore abondamment, Papa, alors que nous donnons avec simplicité de cœur. Que tout le monde dise au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Quand vous donnez, vous êtes en train d'agrandir le royaume de Dieu. Donc nous allons donner avec joie. Nous allons donner avec joie. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un veut bénir l'Éternel? Bénissez l'Éternel de tout ce qui est en moi. Bénissez son sang. Yeah.
खुशी पार्न नसकिने अरुको बदनाम
Donc je vais essayer d'épargner Didier Roupa les grosses lectures. Amen. On va lire un dernier verset et puis on va, je vais mélanger ça, je vais faire en sorte que ce soit facile. Amen. Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes. Dernier verset 5. 4. Mais sois-tu 5? Oui, le verset 5. Bhakti ko gum bestani line tara tesko shakti lai inkar garne hune chan yesta manisharu bata alag basa. Hallelujah. Aujourd'hui nous allons parler de l'expression de l'amour. Hamije aaja prem ko bhasha bolne chan. How do you show love? Je connais que tu dis ou pas le mot anglais, c'est plus facile pour un étranger. How do you show love? Comment tu montres ton amour à Dieu? Amen. Hallelujah. Nous sommes à la veille de Noël aujourd'hui. Noël arrive bientôt. Amen. Le 25 décembre, c'est Noël. Qui aime Noël? Amen. Qu'est-ce qu'on fait à Noël? À Noël, il y a les cadeaux. Il y a la bonne nourriture. On ne travaille pas. Tout ce qui est bon, c'est à Noël. Les gens vivent pour Noël. Les gens travaillent pour Noël. Amen. Amen. Qui aime Noël? Christmas. Si tu n'aimes pas Noël, vraiment, on va t'amener à l'église. Tout le monde aime Noël. C'est un congé payé. Si tu n'aimes pas Noël, c'est pas grave. Moi, je vais aimer Noël pour toi. Amen. Mais que signifie Noël? C'est une fête chrétienne de la naissance de Christ. Elle se célèbre le 25 décembre. Le monde entier. Everybody. Tout le monde célèbre la venue du Seigneur. Nous savons tous que le Seigneur n'est pas né le 25 décembre. Amen. Dieu ton voisin Jésus n'est pas né le 25 décembre. Si tu ne savais pas, je ne vais pas te dire pour que tu viennes à l'étude biblique. Amen. Si tu veux savoir à quelle période Jésus est né, est-ce que vous savez que si vous ne connaissez pas qui est Jésus, vous n'allez pas au ciel? Amen. Parce que si tu ne sais pas quand Jésus est né, je ne sais pas si tu vas aller le voir. Parce que la Bible dit que la vie éternelle, c'est qu'on le connaisse lui, le seul vrai Dieu. Amen. Si tu connais seulement son nom, et tu ne sais pas quand il est né, est-ce que tu le connais vraiment? Amen, ça c'est un bonus. Bonus. Amen. C'est pour que vous veniez à l'étude biblique. Je garde ça comme ça, c'est un bonbon. Non, on n'est pas aujourd'hui pour parler de la date de naissance du Seigneur. À Noël, selon les coutumes, il y a un arbre de Noël. Et il y a les cadeaux. Amen. Regardez déjà, ils ont fêté Noël ici. Amen. Il y a déjà le panier de cadeaux.
Ils n'ont rien laissé pour nous. Bon, ils ont laissé quelque chose en plus. Ah, ils ont laissé un petit truc rouge. Mais ils ont tout pris, tous les cadeaux. Et le Seigneur est dans le carton. Vide. Amen. Mais nous, nous savons un Dieu qui est vivant. Amen. Jésus a grandi, il n'est plus dans le carton. Et c'est lui qui est notre Dieu. Donc il y a les grands arbres qui brillent, c'est beau. On dépense beaucoup d'argent. La fête de Noël témoigne de l'expression de l'amour de la naissance de Christ. Noël, c'est vraiment pour Jésus. Même si en réalité, ce n'est vraiment pas pour Jésus. Même si en réalité, the truth, it's not for him. En réalité, ce n'est pas pour lui. Regardez combien on dépense. How much do we spend? For this event. Pour cet événement. Est-ce que quelqu'un peut me dire combien d'argent on dépense au Canada seulement pour Noël? Rien que sur les arbres de Noël. Quelqu'un me donne un nom. Nairobi. Un nom. Combien d'argent? $2, $10. Tout le monde au Canada. Combien? Non, pour tout le monde, tout le monde. Hein? $35,000. $35,000. Qui dit mieux? On va faire les enchères. Qui dit mieux? $35,000 pour les arbres de Noël dans tout le Canada. Je fais Statistique Canada nous dit ceci. Statistique Canada. Canada Statistique. $77.6 million. 77 millions. C'est beaucoup de millions. Amen. C'est la valeur des recettes monétaires agricoles de la production d'arbres de Noël. Ça, ce n'est pas pour ceux qui ont acheté. Ça, c'est pour ceux qui ont produit. 77 millions juste pour produire les arbres de Noël. Mais maintenant, combien de millions d'argent sont pour acheter? C'est des millions. Si je donne le nom Didi, vous paraissez perdu. Avec. Je veux vous dire seulement que c'est des milliards. On dépense des milliards rien que pour les arbres. Environ $61 million pour les arbres de Noël artificiels. $59 million pour les arbres de Noël artificiels importés au Canada qui viennent de Chine. Donc il y a le Canada et il y a on va même chercher en Chine. On va chercher en Chine aussi. Imaginez-vous, on a tout fini au Canada, les arbres, on a tout coupé les arbres. On cherche les artificiels. C'est fini, on va même chercher en Chine encore. Les importations d'arbres de Noël. Il n'y a pas seulement les arbres de Noël. Parce que dans l'arbre, il faut aussi mettre le cadeau. Combien de millions dépensent?
274 millions de dollars, la valeur des ordinateurs et des logiciels. Rien que le computer. 459 millions pour la télévision. Beaucoup de millions. Les bonbons, combien d'argent dépense pour les bonbons? Il y a plus d'argent dépensé pour les bonbons que l'argent qu'on dépense pour la télévision. Il y a du sucre pour remplir toute la terre. Plus de sucre que des gens qui habitent sur la terre. Les entreprises se font de l'argent. Tous ces chiffres sont énormes. Ça dépasse notre imagination. Et ce sont des chiffres qui ne font que grandir chaque année. Les chiffres ne diminuent pas. Les chiffres augmentent. Parce qu'on veut offrir le meilleur cadeau des cadeaux. Ah, qui a déjà préparé les cadeaux pour Noël? Vous mentez. Vous n'avez pas de cadeau de Noël le 23? Moi j'ai déjà les cadeaux. Ils ont envoyé par la poste. Ils m'ont acheté un cadeau. C'est déjà à la maison. C'est déjà à la maison. On ne va pas ouvrir ça. Amen. On a acheté déjà les cadeaux. Un individu dépense peut-être de 400 dollars à 500 dollars pour les cadeaux. Amen. Les gens préparent les cadeaux 3-4 mois à l'avance. Parce qu'ils ne veulent pas manquer le cadeau du cadeau. Mais à qui offre-t-on des cadeaux? On offre des cadeaux pour les gens qu'on aime. Est-ce que tu as déjà offert un cadeau à quelqu'un que tu n'aimes pas? On offre des cadeaux aux gens qui vous tiennent à cœur, qui sont proches de votre cœur. Amen. À Noël, 67% de la population québécoise se dit chrétien. C'est 27%. Amen. Environ 80%. Ils célèbrent Noël. Dans tous les Québécois que vous voyez, au Canada en entier, tout le monde appartient à Noël. Pourquoi je viens prendre ces calculs? C'est pour vous montrer ce qu'on fait à Noël. C'est pour que vous regardiez combien d'argent on dépense. Amen. À Noël, on achète des cadeaux. On achète des cadeaux pour les gens qu'on aime. Mais à Noël, qui est supposé être pour Jésus, on ne donne pas à Jésus le cadeau. Alors que celui qui mérite le cadeau des cadeaux. Est-ce que Jésus-Christ qui est né comme un homme, Dieu puissant, c'est lui qui allait en sacrifice.
C'est lui qui a porté nos péchés. C'est lui qui nous a tant aimés. Il nous a beaucoup aimés. Il nous a tant aimés. Il a donné sa vie. C'est le plus grand sacrifice qu'un homme ne peut faire. Parce que la Bible dit, il n'y a pas de plus grand sacrifice que d'offrir, il n'y a pas une manifestation de l'amour que d'offrir sa vie pour ceux qu'on aime. Qui est content que Jésus ait pu donner sa vie pour lui? Est-ce qu'on peut battre les mains pour le Seigneur Jésus? Merci Seigneur. Merci pour ta grâce, Seigneur. Merci pour ton amour, Seigneur. Merci pour ton sang, Seigneur. Merci pour cette croix, Papa. Tu es allé à la croix pour nous, Seigneur. Tu es mort pour les hommes pécheurs, Seigneur. Pour nous amener proche de toi, Papa. Tu as quitté l'éternité. Papa, tu as sacrifié ton royaume, Seigneur. Et tu es venu revêtir la chair. Tu es venu devenir semblable à nous. Et tu es allé, Papa, sur cette vieille croix, Seigneur. Toi qui n'as rien fait, Seigneur, tu mérites l'acclamation, Seigneur. Tu mérites l'adoration, Seigneur. Tu mérites la gloire, Seigneur. Tu mérites le meilleur de tous les cadeaux, Seigneur Jésus. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit le nom de Jésus. Oh, que le nom de Satan, gloire au nom de Jésus. Béni soit ton nom, Seigneur. Oh, tu mérites ton nom et toute gloire, Seigneur. Gloire au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus. Notre Dieu mérite l'adoration. Notre Dieu mérite la louange. Notre Dieu mérite le meilleur de tous les cadeaux. Parce qu'il a fait de grandes choses. Parce qu'il s'est sacrifié pour nous. Personne ne peut en faire. La plus grande chose qu'un homme peut faire. Un homme ne peut donner que ce qu'il a. Un parent pauvre va donner un cadeau à la valeur de ce qu'il est capable de donner. Amen. Un parent riche, il va donner un cadeau de riche. Mais Jésus a donné le plus grand de tous les cadeaux. Il a donné sa vie. 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 Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui, qu'il ait la vie éternelle. Nous sommes ici. C'est parce que Jésus est sacrifié. Nous sommes ici. C'est pour Jésus. Amen. Amen. Qui est content que le Seigneur nous a tant aimé? Le Seigneur nous a beaucoup aimé. Amen. Amen. Vous savez, la Bible dit, dans les derniers jours, nous sommes à la fin des temps. Les gens vont devenir méchants. Les gens ne vont plus respecter ce que Dieu fait. Les gens ne vont plus croire en Dieu. Les gens ne vont plus se soucier de Dieu. Mais ils vont se soucier d'eux-mêmes. Ils vont faire ce qui leur fait plaisir. Amen. Ils veulent devenir pieux. La piété, la sainteté. Mais ils rejettent tout ce qui en fait la force. Ils célèbrent la naissance de Jésus. Au lieu de se tourner vers lui, ils se tournent vers leur propre désir. Amen. Paul le dit ceci aux Corinthiens.
On ne va pas le lire, sinon ça va être trop long pour Didier ou pas, mais vous pouvez le prendre en référence, 2 Corinthiens 6,14. Mais vous, mettez avec les infidèles, ne vous mettez pas avec les infidèles vers un joug qui est étranger. Ne vous mélangez pas avec ceux qui ne sont pas fidèles en Jésus-Christ. Parce qu'il n'y a aucune relation entre la justice et le péché. Entre la justice et le péché. Il n'y a pas de communion avec la lumière et les ténèbres. Il n'y a pas de relation entre le diable et le Christ. Entre celui qui est fidèle en Jésus et celui qui est infidèle. Entre le temple de Dieu et le temple des idoles. Parce que nous, nous sommes le temple de Dieu. Dieu veut habiter en nous. Il a dit, je serai leur Dieu. Et ils seront mes enfants. Ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Et séparez-vous d'eux. Dis le Seigneur. Ne touchez pas ce qui est impur. Ce qui n'est pas pur. Et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père. Il sera un père pour nous. God will be a father to us. Amen. Et vous, vous serez pour Dieu des enfants du Seigneur. Nous sommes les enfants du Seigneur. Amen. Et aujourd'hui, il y a une question que nous devons pas. On doit se poser, est-ce que nous montrons à Jésus combien on aime? Le monde offre des cadeaux à leurs parents, à leurs enfants, parce qu'ils aiment leurs enfants. Amen. Mais nous, les chrétiens, si Dieu est notre papa, qu'est-ce qu'on lui donne? Qu'est-ce qu'on peut donner en cadeau à Jésus? Est-ce que quelqu'un a une réponse? Quelqu'un sait quel est le cadeau que tu vas donner à Jésus? Anti, le cadeau qu'on donne à Jésus. Adorer Jésus. Amen. Quel est le cadeau qu'on va donner à Jésus? Qu'est-ce que tu vas lui offrir? David dit ceci. Je n'offrirai rien à Dieu qui ne m'a pas coûté quelque chose. Amen. Le Seigneur veut qu'on lui offre quelque chose qui coûte. Amen. Dieu veut qu'on lui donne quelque chose qui va nous coûter. Amen. Nous sommes l'épouse de Christ. La femme de Dieu. Oui. La dernière fois que j'ai regardé, qu'est-ce que l'Église offrait à Dieu? Je suis allé chercher dans le livre des Actes. Dans le livre des Actes, c'est la manifestation de l'amour de Dieu que le peuple de Dieu a fait. Le Seigneur
est parti. Le roi est parti. Raja Danubayo. Il a dit, je reviens chercher mon épouse, ma femme. Et qu'est-ce que la femme fait? Elle se prépare. Qu'est-ce que les apôtres ont fait à l'église du commencement? Acte 2. Chapitre 42 dit ceci. Amen. Comme ça, ça ne va pas fatiguer, tu dis vous pas. Amen. Alléluia. Les apôtres, ils persévéraient dans l'enseignement. Teaching. They were staying all the time teaching. Ils persévéraient dans l'enseignement. Tous les jours. Ils persévéraient dans l'enseignement. Ils partageaient le pain ensemble, la communion fraternelle. Dans la prière. Ils priaient tout le temps. C'est ce qu'ils offraient à Dieu. Ils offraient leur temps. Ils offraient leur amour. La crainte de Dieu s'emparait de chacun. The fear of the Lord. The fear. La peur. La crainte de Dieu. The fear of the Lord. La crainte de l'Éternel. La révérence. Le respect de Dieu. Le respect of God. Était dans le cœur de tout le monde. Il y avait beaucoup de miracles. Il y avait beaucoup de grandes choses. Tous ceux qui croyaient, ils restaient ensemble. Ils étaient tous dans un même lieu. Ils vendaient leur propriété et leur vie. Leur maison et tout ce qu'ils avaient de bien. Ils partageaient tout ce qu'ils avaient ensemble. Selon ce que chacun avait besoin. Que quelqu'un dit chaque jour. Banos conseillé. Banos conseillé. Ils étaient ensemble. Ils étaient ensemble. Tous les jours. Tous les jours, ils étaient ensemble. Au temple. À l'église. Ils étaient à l'église. Ils ont sacrifié leur temps. Ils ont sacrifié leurs finances. Et ils ont sacrifié leur ego. L'orgueil. Ils ont accepté de vivre avec les autres. Ils ne font pas de distinction avec les Népalais ou bien les Québécois, non. Ils voulaient seulement vivre pour Jésus. Ils voulaient seulement offrir quelque chose de bon à Dieu. Ils voulaient seulement faire ce que Dieu attendait d'eux. Amen. Ils étaient chaque jour. Ils prenaient leur nourriture avec joie. Avec humilité simple. Avec la simplicité du cœur. Amen. Ne jugez pas. Il louait Dieu. Et ce que ça faisait, il trouvait grâce auprès du peuple qui était dehors. Il a trouvé la grâce de Dieu. Des fèves. Auprès du peuple. Et le Seigneur. Que quelqu'un dise le Seigneur. Le Seigneur. Banos. Ajoutez. Amen.
Chaque jour. Dis-nous, à l'église. Attends, ceux qui étaient sauvés. Nous le Seigneur rajoutait chaque jour à l'église. Amen. Quand tu bénis Dieu, Dieu te bénit. Quand tu donnes un cadeau à Dieu, Dieu te donne un autre cadeau. Quand tu te sacrifies pour Dieu, Dieu amène les âmes. Amen. Pourquoi il faisait ça? Pourquoi il abandonnait tout? Parce que c'était le sacrifice que Dieu attendait d'eux. C'est ce que Dieu attendait d'eux comme sacrifice. C'était le cadeau que Jésus voulait d'eux. Amen. Amen. C'est le meilleur cadeau. Offrez vos corps en sacrifice vivant. Donnez vos membres, les pieds, les mains pour Jésus. La voix pour Jésus. Les enfants, c'est pour Jésus. Tout ce que vous avez, c'est pour Jésus. Il veut qu'on se sacrifie. Celui-là qui va conserver sa vie, il va la perdre. Mais celui-là qui va donner sa vie, il va la reprendre. Tu ne peux pas donner à ton ami un cadeau qui ne va pas égaler ce que lui t'a donné. You have to give him a gift who is equal to him. Amen. Si tu me donnes une bouteille d'eau, j'attends en retour parce que tu me connais, tu sais ce que j'aime. Amen. Amen. Dieu sait ce qu'on aime. Il aime la vie. Et il nous donne la vie. Qui est content que Jésus-Christ nous donne la vie? Est-ce que tu as demain pour la vie que le Seigneur nous donne? Il nous donne l'espérance. Il nous donne de la joie. Nous qui n'avons pas d'espoir, il nous a donné l'espoir de rencontrer le Seigneur d'éternité en éternité. Il nous donne cette opportunité de vivre avec lui pour toujours. Et le prix que ça lui a coûté, ce n'était pas un cadeau de Noël, mais c'était lui-même. La Bible dit qu'il est mort et il est ressuscité. Il est vraiment mort. Il est vraiment allé en enfer pour nous. Il est allé en enfer pour nous. Il a porté nos péchés pour que nous ayons la vie. Et le cadeau qu'il attend de nous, c'est qu'on lui offre la même chose. Quel est le cadeau de Noël? S'il fallait donner un cadeau, tu vas donner quoi à Jésus, Joseph? Qu'est-ce que tu peux offrir le 25 à Jésus? Jésus revient bientôt le 25 à Noël. On donne quoi, Seigneur? 2018. Qu'est-ce qu'on donne à Jésus comme cadeau? Qu'est-ce qu'on peut donner à Jésus? En 2018, qu'est-ce qu'on donne à Jésus? Il a dit, vous donnez de bonnes choses à vos enfants. Mais à lui, qu'est-ce qu'on lui donne? C'est une parole de réflexion. Parce que Dieu ne nous juge pas. Dieu ne nous condamne pas. Mais il nous demande de mieux faire. Amen. Amen. La parole de Dieu dit ceci. Je suis encore allé regarder dans le livre des Actes.
Beaucoup de miracles se faisaient au milieu des gens. Par les mains des apôtres. Par les mains des apôtres. Ils étaient tous ensemble. Au portique de Salomon, à l'église en d'autres temps. Et aucun des autres n'osait se joindre à eux. Les gens ne venaient pas à eux. Mais ils louaient Dieu. Est-ce que vous savez que quand vous vous sanctifiez, les gens du dehors voient Jésus. Est-ce que vous savez que quand vous priez, vous attirez la présence de Jésus? Est-ce que vous savez que quand vous êtes consacré à Dieu, Dieu va envoyer les perdus? Rappelez-vous de Corneille. Corneille dans la Bible. Corneille. Il s'appelle Cornelius. Cornelius, Acte chapitre 10. C'était un homme qui priait. Il donnait les offrandes. Il donna à Dieu, il aimait Dieu, il priait tout le temps. Mais il n'était pas sauvé. Mais Dieu a envoyé Pierre. Ou bien il a envoyé quelqu'un à Pierre pour qu'il soit sauvé. Quel cadeau vais-je offrir à Jésus pour lui montrer combien de fois je l'ai. Amen. Nous voyons au travers de ces versets l'expression de l'amour de Dieu. The love of God, expression of the love. Show to show love. Amen. C'est comme le mariage, dans le mariage. Tu ne peux pas seulement dire à ta femme, love you, je t'aime, amen. Si tu dis seulement je t'aime, tu ne fais rien. Est-ce que c'est l'amour? Ce n'est pas l'amour. Amen. Anti. Tu cuisines pour ton mari. Amen. Tu cuisines pour lui. Parce que tu l'aimes. Tu cuisines Bikram quand Bikram n'est pas là. Tu donnes ce que tu es capable de donner. Parce que tu veux faire plaisir à la personne. Tu ne cuisines pas n'importe quel plat. Tu cuisines ce qu'il aime manger. Didi Ruby. Qu'est-ce que t'es aime manger? Poulet. Zeb. Chèvre. Il aime manger la chèvre. Il aime manger ça comment? C'est cuit comment? Il cuisine pour lui-même. Toi, tu ne cuisines pas la chèvre. Mais comment ça? Non, il faut changer ça. Sa maman cuisine. Sa maman cuisine. Tu vois, parce qu'elle connaît. Quand il arrive à la maison, il est content. Chèvre. Ça y est. Amen. Il aime la chèvre. Moi j'aime le riz. Tu me déposes une nourriture sans riz, je te regarde d'abord bien. Mais qu'est-ce que tu veux? Si Anti ne fait pas le riz, je ne suis pas content. C'est ça, c'est l'amour. Mais comment nous? Dieu, qu'est-ce que Dieu aime? La Bible nous dit ceci. Dans le livre de Marc,
Marc au chapitre 16. Marc 16. Oui. Vous pouvez le lire à la maison. Lorsque le Seigneur était prêt à repartir au ciel, quand il est ressuscité, il leur a dit quelque chose. Dis à ton voisin. Jésus a dit quelque chose. Il a dit à ceux ici, à ceux qui l'aimaient. Je suis ressuscité. Maintenant, c'est votre tour de me montrer combien de fois vous m'aimez. Allez-y maintenant. Allez-y. Baptisez au nom de Jésus. Allez-y annoncer la bonne nouvelle. Si vous voulez donner le meilleur cadeau à Jésus, 2018 est fini. Ce n'est pas encore fini. Il nous reste encore 6 ou 7 jours. Il reste 8 jours exactement. Tu peux encore donner un cadeau à Jésus. Va annoncer la bonne nouvelle. Va gagner une âme pour le Seigneur. Laisse-moi te dire qu'il sera content. Amen. Il sera content. Parce qu'il y a de la joie dans le ciel. Pour un seul pécheur qui se répand. Amen. Nous sommes l'église du Dieu vivant. Imaginez-vous le Seigneur, comment il se sent. Does not feel. Quand on ne multiplie pas. Une femme qui ne donne pas des enfants à son mari. Comment il va se sentir? Amen. Il va pas être content. Amen. Didi Rumi, on sait, Didi Rumi, on sait qu'elle aime son mari. C'est parce qu'elle aime les enfants. On sait qu'ils se connaissent, c'est parce qu'elle est enceinte. Amen. Si tu ne fais pas ça, il n'y a pas de mariage. Amen. C'est la vérité. C'est ça le travail de Dieu. Si vous voulez me faire plaisir, mettez en pratique ma parole. Amen. Amen. Si on peut se lever tous ensemble. Alléluia, Jésus. Le meilleur cadeau de Noël. Le Seigneur attend de nous. Que nous lui offrons un cadeau. Amen. Amen. Et nous allons lui offrir un cadeau. Quel est le cadeau que nous allons lui offrir? La parole de Dieu nous dit ceci. Les héros de la foi. Heroes. Célébrité. Heroes. Les héros de la foi. Ils ont donné leur vie pour l'œuvre de Dieu. Abraham. Qu'est-ce que tu fais? Je sacrifie pour Dieu. Abraham a quitté sa maison. Il allait dans une terre qu'il ne connaissait pas. Parce qu'il avait la promesse du Seigneur. Caïn et Abel. Abel. Qu'est-ce que tu fais? Je suis en train de préparer des brebis. Mais tu ne manges même pas les brebis, mais pourquoi tu fais ça? Parce que c'est le sacrifice qu'il aime. Caïn, qu'est-ce que tu es en train de faire? Moi, je veux offrir à Dieu les fruits. Hein? Les belles mains. Amen. Est-ce que Dieu aime ça?
nous. C'est ce qu'il aime. Et la volonté de Dieu, le désir. Ce que une âme soit sauvée. Une seule âme. Vaut mieux que mille. Le Seigneur est prêt à laisser 99 premiers qui sont sauvés. Pour aller chercher le premier qui est perdu. Nous, nous sommes déjà dans la maison de Dieu. Nous écoutons déjà la parole de Dieu. Mettons en pratique sa parole. Pour aller au ciel. Je ne veux pas que lorsque le Seigneur Jésus arrive, il vienne chercher les cadeaux. Qu'on fasse comme celui, ce serviteur-là. Seigneur, je te donne ce que tu m'as donné. Parce que je sais que tu récoltes là où tu n'as pas semé. Non. Le Seigneur ne va pas nous aimer. Il veut qu'on multiplie. Il veut qu'on produise du fruit. Beaucoup de prodiges. Le Seigneur ajoutait jour et jour ceux qui étaient sauvés à l'église à cause de leur sacrifice. Sacrifice de prière. Sacrifice de lecture de la parole de Dieu. Sacrifice de louange et d'adoration. Sacrifice des dîmes et des offrandes. Sacrifice pour les enfants qui sont là. N'allez pas donner vos enfants au diable. Mais priez avec vos enfants. Lisez la Bible avec vos enfants. Parce qu'il n'y a pas de relation entre le diable et Jésus. Quand vous êtes en train de les emmener jouer les choses qui ne sont pas de Dieu, vous êtes en train de sacrifier dehors. Quand vous donnez à vos enfants la télévision, les jeux vidéo, vous êtes en train de leur donner à quelqu'un d'autre. Quand vous leur donnez l'amour de quelque chose qui n'est pas la parole de Dieu, vous êtes en train de les sacrifier. Mais consacrez-vous pour le Seigneur. Parce qu'il veut être le Noël. Combien on aime. Qui veut offrir un cadeau de Noël en 2019 pour l'amour du Seigneur? Amen. Nous voulons offrir un cadeau de Noël à notre Seigneur Jésus. Un cadeau qui va lui rendre heureux. Un cadeau qui va le réjouir. Et ce sont les âmes. Amen. Nous voulons grandir. Donc nous allons venir ensemble, avant ensemble. Et nous allons prier. Que le Seigneur nous aide à comprendre l'objectif de l'Église. Pour qu'on puisse faire ce qu'on veut faire. Amen. On va prier ensemble. Que le Seigneur nous donne l'amour des âmes. Amen. Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia, Jésus. Venez, on va prier. On ne veut pas aller à une nouvelle année sans voir la direction de Dieu. On ne veut pas entrer dans cette nouvelle année comme on était. Mais on veut changer. Amen. Amen. Je vais vous donner le secret.
puissiez produire du fruit. Le Seigneur ne vous demande pas beaucoup de choses. Un, la prière. La deuxième des choses, c'est de venir dans la maison de Dieu. Aussi longtemps et aussi longtemps que vous pouvez. La consécration. Être consacré à Dieu. Dans la lecture de la parole de Dieu. Amen. Il faut lire la parole de Dieu. Il faut participer aux activités. On ne fait pas des activités juste pour vous faire des choses pour rien. Non. Tout ce qu'on fait, c'est pour vous montrer le chemin. Pour que vous puissiez vous saisir de ce que Dieu veut de nous. Dieu veut qu'on pratique ce qu'on apprend. Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur. Nous allons prier pour que le Seigneur, en cette nouvelle année, nous allons prier pour la force. Nous allons prier pour l'amour. Et nous allons prier pour la croissance de l'Église de Saint-Jean. Amen. Nous allons prier. Est-ce qu'on peut se tenir les mains ensemble? Que le Seigneur nous donne l'amour de son peuple. Que le Seigneur nous donne cet amour de la parole. Dieu veut qu'on soit sauvé. Mais il faut qu'on soit unis. Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Éternel, des armées, Papa. Prions tous ensemble. Prions pour que Dieu nous donne la force. Éternel, des armées, Papa. Nous venons devant ton trône, Seigneur Jésus. Nous venons prier encore, Papa, pour la force spirituelle. Papa, baptise-nous, Papa, du désir encore, Papa, de nous sacrifier pour toi, Seigneur. Aide-nous à nous offrir un sacrifice vivant, Seigneur. Aide-nous à t'offrir, Père éternel, un sacrifice de louange. Aide-nous, Seigneur, à t'offrir un sacrifice du temps. Aide-nous, Seigneur, à offrir le sacrifice, Père éternel, de lecture de ta parole. Aide-nous à grandir, Papa, dans la connaissance de qui tu es. Aide-nous à aimer ta maison, Seigneur. Aide-nous, Père éternel, à être unis dans l'unité de la foi. Aide-nous à prier, Seigneur Jésus. Enlève les désirs de la chair en nous, Seigneur. Aide-nous à voir comme tu vois, Seigneur. Donne-nous tes yeux, Seigneur. Donne-nous ton cœur, Seigneur. Donne-nous tes mains, Seigneur. Utilise-nous, Seigneur Jésus. Papa, sauve nos âmes. Papa, permets-nous encore de toucher une âme perdue dans cette vie. Papa, permets-nous de nous consacrer dans la prière. Seigneur Jésus, nous crions à toi, Seigneur. Nous ne voulons pas venir t'offrir nous-mêmes sans les autres, Seigneur. Aide-nous, Seigneur Jésus, à tourner nos regards vers l'éternité, Seigneur. Aide-nous, Seigneur Jésus, à chercher le royaume des cieux avant les choses de la terre. Aide-nous, Seigneur, à nous offrir un sacrifice vivant. Uramanda rabasato rurubo shatarama. Eke teremando rurubo kosatarama. Uraka shatarama. Nous avons besoin de toi, Seigneur Jésus. Nous avons besoin de ta force, Seigneur. Nous avons besoin de ton esprit, Seigneur. Baptise-nous encore de ton esprit, Seigneur Jésus. Uramanda rabasatarama. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia. Alléluia, Jésus. Aide-nous, Seigneur Jésus. Aide-nous, Seigneur Jésus. Aide-nous, Seigneur. Ramène-nous à toi, Seigneur. Oramanda rabosanta rabba. Oramanda rabosanta rabba. Papa, baptise-nous de ton esprit, Papa. Baptise-nous de l'amour, Seigneur Jésus, de ton Église. Baptise-nous, Papa, de ton amour, Seigneur. Baptise-nous d'un esprit d'évangélisation, Papa. Baptise-nous de ton amour, Seigneur, pour les perdus, Seigneur. Papa, nous voulons t'offrir un sacrifice, Papa, qui te fera plaisir, Seigneur. Nous ne voulons pas t'offrir un sacrifice de mauvaise odeur, Seigneur. Mais nous voulons t'offrir un sacrifice de bonne odeur. Papa, garde-nous en toi, Seigneur.
Permets-nous, Seigneur, de prier pour les âmes perdues de ce jour. Aide-nous à intercéder, papa, pour nos âmes et pour ceux qui sont perdus, Seigneur. Car il est bon et agréable auprès de toi, Seigneur, que nous prions pour les perdus, que nous prions pour les rois, que nous prions pour les autorités, que nous prions pour les principautés. Donne-nous en 2019, Seigneur, l'amour de la prière. Donne-nous en 2019, papa, l'amour de la maison de Dieu. Donne-nous en 2019, papa, l'amour du sacrifice personnel, Seigneur. Donne-nous en 2019 un esprit de consécration, qu'un esprit de bonne volonté, Seigneur Jésus, tombe sur ton peuple à Saint-Jérôme. Ouvre nos yeux, Seigneur. Ouvre nos cœurs, Seigneur. Ouvre nos pensées, Seigneur. Sonde-nous et connais-nous, Jésus. Aide-nous à sacrifier dans la prière. Aide-nous à sacrifier dans le jeûne. Aide-nous à sacrifier, papa, dans l'adoration. Aide-nous à sacrifier dans le temps. Aide-nous à t'offrir un temps de qualité. Aide-nous, papa, à nous débarrasser des choses qui nous éloignent de toi. Permets-nous de mettre en pratique ta parole, Seigneur. Jésus, Jésus, merci Jésus, merci Seigneur Jésus, alléluia Jésus. Papa, je prie maintenant, papa, que tu envoies un vent, papa, de conviction en nous, Seigneur. Que tu envoies, papa, un esprit de réveil, Seigneur, afin que nous puissions nous consacrer à toi, Seigneur. Permets-nous de t'offrir des sacrifices vivants, Seigneur. Permets-nous de nous offrir à toi, papa, comme un sacrifice vivant, Seigneur. Permets-nous de nous donner à toi, entièrement, Seigneur, sans rien retenir, Seigneur. Tu ne veux pas qu'on t'offre un sacrifice qui ne nous coûte pas. Nous voulons donner nos vies à un sacrifice. Nous voulons offrir tout ce que nous avons pour toi, Seigneur. Aide-nous, Seigneur Jésus. Aide-nous, Seigneur Jésus. Aide-nous, Seigneur Jésus. Aide-nous, Jésus. Baptise-nous d'un esprit frais, papa, de consécration, Seigneur. Permets-nous, Seigneur, en cette nouvelle année, papa, d'être plus consacré, Seigneur. Jésus, alléluia. Saisis-toi de nous, Seigneur. Saisis-toi de nos âmes, papa. Saisis-toi de nos pensées, Seigneur. Saisis-toi de nos cœurs, Seigneur. Dirige nos pas, Seigneur. Il n'est pas permis à un homme qui marche de diriger ses pas. Oh, aide-nous à retenir l'éternité, Seigneur. Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci. Parce qu'en 2019, nous voulons lui offrir un
un sacrifice. Nous voulons lui offrir un cadeau qui va le faire plaisir. Nous voulons offrir à Dieu des âmes. Nous voulons offrir à Dieu nos familles. Nous voulons offrir à Dieu nos membres. Nous voulons offrir à Dieu nos corps. Nous voulons offrir à Dieu quelque chose qui nous coûte. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Merci, Jésus. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Salue ton frère. Dis, je vais sacrifier en 2019. Je vais sacrifier en 2019. Dis à ton voisin, je veux m'offrir plus pour le Seigneur. Alléluia. Je veux m'offrir plus pour le Seigneur. Je veux plus offrir à Dieu pour le Seigneur en 2019. Amen. Plus dans la maison de Dieu. Je dis, n'oubliez pas, venez à l'étude. Venez écouter la parole de Dieu à 18h30. Ça commence. Nous voulons que vous soyez tous là parce qu'on veut offrir un cadeau au Seigneur. Salut.